Fira de nuit, après avoir pris un bon frozen yogurt. On se balade dans les rues de Fira et on fait Fira de nuit. C'est vrai que c'est très beau. Bateau de croisière là-bas. Magnifique. Regardez, c'est la cable car. Ça va jusqu'en bas et ça remonte les gens. Ça fait peur quand même. C'est assez raide, on va dire. Les gens, ils font des photos ici. Très sympa Fira le soir, hein, ça bouge, on aime bien l'ambiance. Petit bar et tout. Très sympa. Et coucou tout le monde, il est 9h, je suis fatiguée, on s'est couché tard. Et je vais prendre mon petit déjeuner à la réception. J'avais une envie d'une omelette brouillée avec un bon café ce matin. Donc go pour le petit déjeuner et après on va partir à IA de bon matin. Quoi, de bon matin. Le matin. Et coucou tout le monde, on se retrouve à IA, il est 11h et c'est déjà blindé de monde, on entend parler chinois, américain, un peu toutes les langues de partout. Je me suis calée sur un petit banc là. On voit les Flying Dress d'ailleurs qui ont du succès ici, on en a vu plein. Ça y est, c'est déjà le... je sais pas comment expliquer ça, le déluge de touristes. On voit des touristes de partout. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'Américains y a. Hein. On sent que c'est vraiment the ville. C'est la ville d'Instagram, j'ai envie de dire, hein, parce que... on dit que c'est la ville d'Instagram, mais c'est pas aussi beau, je trouve, que Fira au niveau de la vue. Bon. Voilà, donc je vais vous montrer, il y a des touristes de partout, c'est un truc de fou. Je pensais qu'il y aurait un peu moins de monde, mais c'est... alors là, vous voyez les touristes qui arrivent, qui s'entassent. On voit les guides et tout, franchement, c'est... bon, on va voir, on va essayer de voir. À l'hôtel manger sur notre terrasse, ça voyez, on est dans une boulangerie, franchement ça donne trop envie, tout est fait maison. Regarde le gâteau à la crème et là on a pris des pizzas à la quoi, c'est genre de fourré à la feta, épinard feta, on a pris ça et feta tomate, trop beau, ça fait vraiment envie. On l'avait vu dans un vlog, cette boulangerie. 100 grammes, 1,35€ les biscuits. Ça, ça a l'air trop bon. On va revenir prendre le petit déjeuner, je sens. Oh, les pains au chocolat, ils sont énormes. Les baklava. Alors, je partage avec vous un haul course qu'on a fait quand on mange à la maison tranquille. On a pris des petites olives d'ici, locales, un peu de tarama, du pain type pita, je sais pas trop, wrap, du houmous,
fromage, qui est très bon d'ailleurs, du tzatziki, des petits poivrons avec du fromage. On a pris du raisin, des figues, et là, bah, à la boulangerie, on a pris des petits trucs. Voilà, c'est notre petit repas. Ça, ça va faire plusieurs jours. Et c'est très bon, et on aime bien goûter des produits un peu locaux. C'est parti pour un sunset. J'ai mis ma robe que j'ai achetée à Fira il y a 2 jours. Trop belle. Voilà, c'est parti pour un sunset. À un pur coucher de soleil, il était magnifique. Je vais vous mettre la version accélérée, comme ça vous l'aurez aussi. On est pas très loin du phare qui est là-bas. Je sais pas si vous allez voir, mais là, le phare d'Akrotiri. On s'est mis en quad au milieu des vignes. On avait la vue sur le soleil, c'était magnifique. On était seul au monde. C'était un moment vraiment unique, un moment magique. Vraiment, 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 c'était bien. Parfois aussi faire des choses un peu qui sortent du cadre de ce qu'on voit sur les guides, c'est toujours cool. Donc voilà, on a fait un magnifique sunset. Il y a mon petit copain. C'est mon petit copain. C'est petit minous, hein, ça, un petit chat sauvage. Il est trop mignon. Il boit l'eau de la piscine, donc. Je sais pas si c'est très bon, mais apparemment tous les chats ils font ça de ce qu'on voit. Et coucou tout le monde. C'est le jour 5 ou 6, je sais plus trop. C'est le jour 6 je crois, puisque demain ça fera 7 jours et c'est le grand départ. Aujourd'hui on va aller sur la White Beach. Et on va faire un petit tour du côté d'Akrotiri, toujours avec les belles routes. Et l'après-midi, on ira directement à la plage, à Périssa, profiter, toujours un petit peu de vent. Là, c'est un petit peu couvert, mais ça va. Franchement, il fait chaud, il fait bon. Voilà, c'est parti pour une nouvelle journée. We'll be right back.
Demain on part à minuit, mais du coup on va passer aussi une petite soirée, donc une micro soirée à Fira. On a testé un restaurant, j'arrive pas trop à lire le nom, je crois que ça s'appelle Quintos. Ça a l'air pas mal, en tout cas le cadre est sympa, il y a du monde, il y a de l'ambiance. On va bien manger, on va goûter un petit peu autre chose, parce que là c'est vrai qu'on mangeait beaucoup à la taverne parce que c'était excellent, mais on s'est dit qu'il fallait faire un autre resto. Un petit peu ambiance, donc on va tester et je vous tiens au courant. J'ai commencé et j'ai pas filmé. Alors là, on a pris en entrée. On va dire que c'est un fromage crétois, de ce que j'ai compris, qui est frit avec un peu de miel, un peu de citron que vous rajoutez par-dessus. Donc j'ai commencé. J'ai mon petit expresso martini. Monsieur a pris une bière pour ne pas changer. J'ai commencé par le cocktail qui était vraiment, le cocktail était excellent, mais vraiment. Ensuite, j'ai commencé à goûter ça et je peux vous dire que c'était très bon. On a mangé à la taverne, mais je trouve que ceux-ci sont plus... On sent que c'est plus travaillé qu'à la taverne. La taverne, c'est très simple. Mais là, très bon. Donc pour l'instant, on est ravis. Le cadre est très sympa aussi de ce petit restaurant. Je le rajouterai dans mes adresses à Saint-Aurin. Je vais faire un guide Saint-Aurin sur Instagram. Vous allez le trouver. Il est très mignon, ce restaurant. Quand vous êtes devant, vous allez voir, c'est un genre de jardin avec des lumières. Voilà, je vous le recommande. En tout cas, déjà, pour l'instant, c'est très très bon. Les cocktails sont très bons. On n'a pas encore fini. Les plats sont déjà arrivés. Alors, on a du poulpe servi avec des petits haricots, une genre de petite salade. Et monsieur a pris un calamar grillé avec des petites pâtes. Je sais pas le nom de ces pâtes, mais c'est un peu des pâtes grecques, j'ai l'impression. Je sais pas. Voilà. Et quelques petits légumes. Voilà. On va se régaler, je pense. On va tester ça et je vous dirai après, je vous ferai un petit débrief. En tout cas, le cocktail est excellent, j'insiste, mais il est vraiment très bon. Aussi, il y a une chose que je voulais dire, j'ai oublié de la dire tout le long du vlog. C'est que les personnes à Saint-Aurin, que ce soit les restaurateurs, les personnes au supermarché, les personnes à l'hôtel, toutes les personnes qu'on a vues, en tout cas lors de notre voyage, étaient très très sympathiques. Mais vraiment, je ne m'attendais pas à ça. Même à la plage, ils ne sont pas là à vous pousser à la consommation et tout. Franchement, les gens sont trop sympas. Voilà, c'est le restaurant. Il est vide. On part parmi les derniers. C'était très sympa. Donc je vous le recommande, on a bien mangé, on a passé un super moment et voilà, il y a le petit jardin en fond. Bon, c'est la dernière journée. On part ce soir à 23h59. On est un petit peu triste, mais toutes les bonnes choses ont une fin. On a passé un excellent séjour. Pour cette dernière journée, on va aller à la plage et ensuite
On reviendra à l'hôtel pour prendre nos bagages, se changer, se préparer. Et peut-être on fera un petit resto à côté, un petit bar, on verra. C'est pas profiter des derniers instants jusqu'au bout, ça. On est un peu triste de partir, mais là c'est la dernière journée, on va profiter jusqu'au bout. Et ce soir à partir de 8h, quand on aura rendu le quad, on pourra pleurer toutes les larmes de notre corps, mais pour l'instant on profite. On est sur la plage à Camari et c'est très sympa. Et coucou tout le monde, il est bientôt 19h, c'est la fin de ce vlog. On va venir dans quelques heures. On a passé nos derniers instants sur la plage La Perita. C'est une de nos plages préférées parce qu'il y a du sable. Voilà, c'est les derniers instants en Saint-Aurin. Puis on a grave kiffé, c'était trop bien. Je conseillerais à tout le monde de venir ici. J'ai fait d'ailleurs un petit guide sur Instagram avec toutes les bonnes adresses. J'espère que vous avez bien aimé le vlog. N'hésitez pas à vous abonner et mettre des petits pouces bleus. Et je vous dis à bientôt pour un prochain vlog. Et sinon, n'hésitez pas à aller regarder les derniers vlogs que j'avais mis. Italie, Séoul, New York. Voilà. Allez, à plus tard !